Yo. Yo. Nickel. Yo, toi-même. Vas-y. Dis quoi? Bah, je sais pas. Vas-y, oui. Bonjour à tous. Oui. C'est pas toi qui fais. Ah bah, je sais pas. J'ai vu que tu lançais. Bon, bah. Bonjour à Le mec, tous. Ah non, mais salut ça y YouTube, est. salut Twitch. Voilà. Voilà. Ah, mais le mec il prévient pas. Moi je pensais qu'il allait le mettre, il Bienvenue lance. pour un nouvel épisode des folles aventures de Jackie et Michel. J'ai oublié de mettre un S à folle, mais c'est pas grave. Ça change pas d'habitude. Moi je vais acheter mon garage, alors que je suis qu'à contact à risque et Butters s'il me roule dessus, des gens aussi. Non, non, c'est pas moi Calmez-vous qui. les gars. C'est TNF Euro Ah mais j'ai qui. vu. Ouais mais toi aussi t'es devant moi, là, je te vois, t'es en moi, t'es imbriqué en C'est moi. parti. Covid, hein, regarde, je tousse. Tu vois, je tousse. Exprès. Moi j'ai acheté un nouveau garage. Je voulais le faire en ligne, tu vois, pendant qu'on était en vidéo. Oh, je vois Butters. Ah, j'aime bien ton camion. J'aime pas ton camion. Mais y a qui to play? Eh, t'as jamais vu en plus mon second camion spécial Californie? Non. Attends, je peux enlever mes phares. Comme toi, j'aime pas être sur les gens. Par contre, je te vois pas. Ah, je vois ton nom, tu sais, mais là, je vois pas ton camion. Je t'ai vu pendant la cinématique. Ah, si, c'est pas. D'accord. Pourquoi il y a deux fois ton nom? C'est parce que sur le garage, ça me dit que c'est le tien aussi? Peut-être, aucune idée. C'est peut-être parce qu'on se connaît, donc je vois que toi aussi t'as ce garage-là. Mais au moins maintenant on pourra Pardon. se TP ensemble au même endroit. C'est ça. Bah là la vraie question c'est bah il faut qu'on On choisisse fait. une mission. Tu sais quoi? Vas-y. Eh ben, on peut même dire que c'est notre entreprise à tous les deux. Même Ouais, si c'est pas le cas. oui, c'est notre entreprise commune, ouais. Ouais. Même s'il y a des gens qui viennent squatter. Alors. Donc avec tout ça, je suis désolé, par contre, j'ai pas pris j'allais dire Horizon, Oregon comme Ah, c'est pas grave, tu véhicule. prendras prochaine fois. Ah, ouais, non, mais je verrai quand, mais Alors, j'ai pris le meilleur destinance avec tout ça, parce que mission. plein de choses qui se sont produites, qui n'étaient pas prévues. Donc ouais, qu'est-ce qu'on prend comme mission? Ah oui, C'est quel genre je de voulais coffre? t'emmener quelque part, attends. Dis-moi où? Quelle ville? Raton. Ah bah j'en reviens. Tu sais qu'en fait j'étais à Raton. Parce qu'en fait, je vais te faire Raton Farmington ou Farmington Raton. Donc, Farmington, tu l'as? Farmington, pardon. Tu l'as déjà fait, Farmington. cette route-là? Ça me dit quelque chose, mais je sais plus où c'est. C'est en haut à gauche, c'est en haut à gauche de. Où est-ce que c'est déjà Farmington? Ah non, je pense pas que j'y étais. Et si on se rapproche, c'est pareil, si on va vers Albuquerque. Albuquerque ou Santa Fe. Ça nous fait moins de route. Pourquoi aller forcément à Raton? C'est parce qu'en fait, je vais te faire débloquer un trophée qu'il faut faire D'accord. Farmington Raton, mais il faut passer par un petit chemin secret, je sais pas trop quoi, donc. D'accord, donc faudra que je te suive. Bah va pour Raton. Alors attends, je regarde si je trouve Attends, un je regarde si Ratus. je l'ai aussi, il faudra que Bah, je. pour Sinon, l'instant, on se j'en vois pas. rapproche. Ah, Si j'ai Roswell, Ratus. Ah oui, sur j'ai un GPS. raton, ouais. Bah on prend ça, 11 000 dollars. J'ai 11 000 dollars aussi, ouais. Ouais, je crois qu'on avait. Ouais, parce qu'on a les mêmes points. Parce qu'en fait, tu sais qu'il me reste. J'ai 2 points d'avance, mais je les ai pas encore rentrés. Bon, bah c'est parti, hein. Je vais faire la liste. Pardon, putain, en ce moment j'arrête pas de tousser. Je t'ai dit, distanciation sociale, je suis qu'à contact à risque, tu te colles avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Et Je te j'ai. transmets. Ah, micro, micro. Mais je l'ai mis mon masque! J'ai appelé Il est le temps d'aller FBI. Bah, moi travailler. je l'ai pas mis, je suis tout seul dans ma pièce. Ah non, mais j'ai mis mon masque pour te parler, on sait jamais. La marchandise est prête à être chargée, dirigez-vous vers le machin. Bah, je me dirige. Tu me vois? Ah bah oui, je te vois. Ah ça pour te voir, je te vois. Le mec il me rentre dedans. Suis en train de faire ma manœuvre pour sortir justement. Donc ouais, il faudra que je te suive. Il y a une cargaison là. Ah, y a du monde dans le coin. Alors Ouais. autant la dernière fois que je suis venu c'était un peu vide. Là il y a du monde. Bah, je vais peut-être pas au même endroit pour charger ma Tournez à cargaison, donc. droite, puis sortez à Bah, moi ça droite. me dit de sortir et d'aller à gauche après. Bah, vas-y, moi j'y suis. Bah, je sais, je te vois. Et j'ai pris la Tournez première à sortie droite. là.
Ouais, moi aussi. Ah bah donc c'est cool. Ah oui, je croyais sortir bon. du truc, ok. Mais attends, c'est toi de moi. Bah mais oui. Ta remorque. Bah oui, j'ai ma remorque, moi. J'avais oublié. J'ai ma remorque perso. Bah oui, non mais c'est pour ça que ça me perturbait, je croyais que c'était un mec avec une remorque. Tournez à gauche. Non, je te rentre pas dedans. Ah, je t'ai pas raconté mes péripéties aussi. En plus, ça tombe bien, je crois que c'était dans le coin. J'étais dans au Nouveau-Mexique quand ça m'arrivait, je t'avais dit à l'écrit. Fallait que je te raconte ça. Bah ouais, bah vas-y. Je raconte à Jeannette. Bah j'étais dans le coin donc la dernière fois, c'est pour ça que j'étais un raton justement. Le problème, c'est que je regardais Louis C. Clarke à la télé en même temps. Oh non. Le truc à pas faire dans ce genre de jeu, tu vois. En fait, non mais c'est pas moi qui regardais. À la base, c'est pas moi qui regardais. C'est tes yeux, ouais, on sait. Non, c'est que quand tu fous un genre de truc, il faut pas qu'il y ait de tentation autour de toi. Genre des gens qui veulent te parler. Parce que hier, on me l'a fait, tu vois, quand je me mettais à niveau. Faisais, ouais. Tu peux me passer la bouteille d'eau, tu peux me passer ça. Ah oui, ouais, non, mais voilà. Ok, tu peux conduire une main, mais il suffit d'un instant, des fois. Et cet instant, bah j'ai fini. Bah tu vois le désert là sur la droite? Ouais. J'ai fini comme ça. Alors je sais plus, je crois que j'ai fini dans un muret un peu plus loin. Et la deuxième fois, j'ai fini dans un arbre. Je me suis retrouvé avec 12 000 $ de réparation. Ah merde, j'aurais peut-être dû réparer mon... Non, ouais, tant pis. En fait, j'ai découvert quelque chose. Si tu commences un trajet avec ton camion un peu cassé, eh ben, à la pesée, ils te mettent une facture dans la gueule. Préparez-vous à tourner oui. À gauche. T'as pas le droit de... Je tourne à gauche. Bah, justement. Bah, moi aussi. Je vais au même endroit. Mais moi aussi, à la pesée, justement, j'ai pris cher derrière. Ils m'ont fait, oh là là, le camion, il est pas réglementaire. Oui, forcément, oui, tu prends des pénalités. Alors, avoir son propre camion, c'est cool. Enfin, sa propre remorque. Par contre, l'inconvénient, c'est que... Une belle balade. Comment ça se passe pour toi ici? Ben, je dois me garer. Donc, j'ai une manœuvre pour... parce que je charge mon camion, en fait. Ah, merde. Attends. Donc, en fait, je dois faire une manœuvre pour garer mon camion. Après, je charge mon camion. Et casse-toi. Et j'en ai une deuxième pour déposer mon car. Remorque. Je sais pas. C'est où le remorquage? Ah, c'est là-bas derrière. Bah, c'est là où t'étais en fait. Bah, moi je dois me garer là donc. Mais tu sais qu'hier quand j'ai joué, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué. J'ai dû faire un coup de numéro 9 pour mettre la caméra extérieure pour faire certains trucs. J'avais plus joué en vue intérieure pour le. Regarde. Certaines manœuvres. Là ça passe, tu vois. Je suis garé comme un gros porc. Bah je vois ça, ouais. Ouais mais c'est pas grave vu que tu vas te Mais ça marche. Détacher. Ah non, je me détache pas. Ils remplissent la cargaison. Ah, par contre, ah oui, je vois la remorque que j'ai pris, je la vois dans ta remorque. Ah, je vois par contre, le truc c'est que en solo, ça te prend du temps en fait. Ils mettent du temps à charger ton camion. On y va. Ah, c'est chiant ça. Rappelle-moi de jamais acheter de remorque. Mais est-ce que tu gagnes plus grâce à ça au final? Bah, quel est l'intérêt d'avoir ta remorque juste comme ça? Bah, je sais pas, moi c'est pour le côté RP ou. Par contre, ce poteau là, c'est de la merde. Tu sais quoi, tu avances Ouais, tu passes devant. Bah j'essaye de sortir parce qu'en fait tu sais il y avait un voilà, ah ouais. Il y avait un poteau en fait à côté de la cargaison. Ils me font chier en ce moment, je sais pas ce que je leur ai fait. Mais ils me mettent toujours des poteaux dégueulasses comme ça. Je sais pas qui est le mec à chaque fois qui crée l'air de chargement, mais ils font toujours exprès de te faire chier avec un vieux poteau. Tout est fait pour que tu galères. Préparez-vous à tourner à droite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai cette impression. Tourner même à dans droite. Certains endroits où ils te mettent les petits murets, les trucs. Oh là là. Pour pas que tu sors. Non, c'est bon. Non, ça passe. C'est bon. Je sais que j'ai plus l'habitude, mais. Moi, je prends assez large parce que t'es passé pas loin du poteau. Moi. Ouais, je sais. Non, mais j'avais calculé. Ça va. Allez. Donc. Parti pour aller à Raton. Ouais, je vais pouvoir te faire part de deux news ouais, en fait. J'avais deux infos, vas-y.
Alors, le... tu savais qu'ils travaillaient sur Wyoming. Oui. Apparemment, ils ont presque terminé. Et le... le prochain, ils vont faire le Texas. Donc, c'est ce qu'on avait dit, en fait. Ouais, on l'avait vu ensemble, ça, monsieur. Vous vous rappelez plus, en fait. Il y avait eu la vidéo. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, on avait eu une sorte de leak bizarre, dégueulasse, une photo dégueulasse. On avait parlé, je crois. Non, il y avait une petite vidéo aussi. Rappelle-toi la vidéo. Même on avait même parlé. On en avait parlé aussi en avance parce que rappelle-toi, on avait même parlé de la mise à jour graphique. C'est ça. Oui, c'est vrai. Et qui c'est a vrai. Été annoncé aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tu sais ce que j'ai trouvé ? Donc on en parlait la dernière fois et j'ai vu sur YouTube des mecs qui ont pris ETS 2 et qui sont en train de faire un projet qui s'appelle Projet Japan. Et ils sont en train de faire tout le Japon pour... Ah, ça c'est génial, mais j'ai pas ETS. Pour ETS 2. Moi je dois sortir à gauche. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Et comme c'est sur la voie de droite... je sais. Ouais, mais tournez en fait je savais pas comment ça donnait. En fait le problème ce fut ça. Je t'avoue que je savais pas du tout comment ça allait rendre. Bah ici c'est une route à 75 donc j'imagine que je serai à 65 à peu près. Je t'avoue. Voilà pour t'annoncer. Bah je pense que je serai pareil. Hein. Et j'ai changé un peu ma cabine aussi en fait. Ah ? Couchette à l'arrière maintenant. Ah, ça y est, t'as investi dans la couchette. Ouais, je peux dormir comme ça, faire voilà côté RP. Enfin, le truc que j'ai, le truc que je trouve aussi un peu bizarre dans ce jeu, c'est que même si tu as une couchette, tu ne peux pas t'arrêter où tu veux pour dormir. Ils ont pas été au bout du truc. Mais c'est dommage, en échange, j'ai perdu ma vitre arrière par contre. Ah oui, bah non, mais de toute façon, ça sert à rien quand t'as une remorque. Non, mais ça me servait des fois quand j'avais pas la remorque. Ah oui, bah oui, oui, effectivement. Voilà, j'ai mis le régulateur sur 65. Merde. Ça fait une petite frayeur. Est-ce que je me disais pourquoi il est descendu à 64, mais non, c'est bon. Donc on est parti en route Ratonus. J'espère qu'on aura la bonne mission. Ah, je pense qu'il y a moyen de tomber dessus, ouais. Putain, je suis beurré, j'arrive pas à rester droit aujourd'hui. Bah, lui, c'était sa remorque, j'imagine. Ouais. Vu le décalco. C'est ça. Et après, tu peux essayer de te faire une sorte de... Selon les décalcos, parce que t'en as qui sont valables pour le camion et la remorque. Donc tu mets les deux et après tu te fais ta propre couleur et essayer de faire un truc un peu homogène, tu sais. Ouais. Bah ouais, tant qu'à faire, faut mieux. Et après tu peux acheter toutes les remorques. Une citerne, un plateau. Un Le truc c'est que je peux acheter les remorques mais les refiler à mes employés. Aussi. Ou tu... Non, en fait, c'est pas que tu les files à tes employés, tu les laisses libres dans ton... Oui, non mais voilà, oui, ils peuvent s'en servir. Et ils les prennent, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, c'est dans ce sens-là que j'entendais, bien sûr. C'est pas genre, ouais, tu le prends, tu fermes ta bouille. Ouais, toi, tu fais que du plateau. Toi, tu te la fermes, tu prends la remorque, j'ai dit. Oh, tu fais la remorque, j'ai dit. Non, je peux lui refiler... Bah tu peux, tu sais que tu peux spécialiser tes ouvriers, enfin tes employés. Bah oui. Ouais, oui, j'ai vu qu'après tu pouvais mettre les points. Genre le mec tu lui dis tu restes que dans les trucs citerne, explosif et machin et tout ça, puis voilà. Je sais pas moi, la femme que j'ai engagée, j'ai pris une camionneuse, ouais. Parité. J'ai pris la parité. Ouais. Une lesbienne. Non, certainement, ça la regarde si elle est LGBT, moi ça me dérange pas. T'as pris une brouteuse, c'est ça? Mais comment dire ça? Mais j'ai l'impression elle fait que. C'est quoi? Merde, peser. J'ai à peser, mec. Ah non, moi c'est vert. Il faut aller à droite. Ah merde, la pesée c'est là à gauche. Puis tourner à droite. Ouais, la pesée faut que tu tournes à gauche.
Ouais, j'y étais à l'aller. J'ai été un peu sec. Tu sais que j'ai été au même endroit à l'aller, c'est dégueulasse quand Tournez même. à droite. Quand je suis arrivé à Roswell, j'ai dû passer par là. En plus, il est chiant ce truc, il est dégueulasse ce poste. Bah, je t'attends. Mais je vais pas faire demi-tour, madame, il faut que j'aille à la pesée, ils ont dit. Alors après, pour sortir, ça va. Oui, après, tu fais tout le grand tour. Ouais. Bon, que sortir, c'est un peu limite. Je suis garé un peu comme une pute, mais c'est pas grave. T'as mis tes warnings? Ouais. C'est quoi déjà le bouton? C'est J, je crois, ou H, le bouton warning? Je l'ai mis sur ma flèche bas de mon clavier. Ah oui, toi, c'est vrai que tu joues... Non. C'est F. Ça, je crois. Ouais, c'est F. Ok. Je note. Hop, on va essayer de le prendre un peu large, voilà. Je suis vraiment à la limite des fois. Y'a personne. Tu passes devant? J'y vais. Bah répondez pas peut-être. Attends. Ah pardon. Jackie, ici t'arrives. Neige déjà. Pourquoi t'y attends? Je crois que je suis embourbé. Oh là là, bouillasse. Il y avait largement la place, tu pouvais pas te. En même temps, ouais, comment t'as été fourré là? Je te vois en pied et tout. Tu veux que je vienne te pousser? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bah, je vois que c'est bon. Ah oui, non, mais t'étais pas embourbé, t'étais sur une butte. Comment ça? J'ai pris personne, hein, je peux te le dire. Ah c'est ça ouais, le mec il se met sur le bas côté, genre ouais je t'attends et tout, il y a la station service à côté, il croit que je l'ai pas vu venir le mec. Je suis sûr que Jackie il aime pas quand je suis derrière lui. Il se dit il va me faire comme la dernière fois, il va me faire la cargaison. Il va me la faire à la chinoise. Ouais t'as un petit test antigénique à faire, viens là mon Jackie. La chinoise. Alors on est obligé de les faire les tests quand à l'entreprise. Bah techniquement j'ai envie de te dire non, hein. Moi je reste enfermé dans ma cabine, je récupère les trucs, je pourrais que je sois. Ah ouais moi c'est pareil. Hein. Non, plus, oh putain. Moi, je le sais faire à mes employés. Oh là là. Qui t'arrive? Bah c'est 55 maintenant, c'est plus 75 donc Non mais ça fait un moment que c'est 55. Mais pas du tout. Si, il y avait le panneau avant de tourner à droite, t'as pas vu? Non. Là c'est 65, regarde. 55 maintenant. Putain, c'est passé genre en 2 secondes le truc. T'avais pas vu que c'était 55 déjà? Je fais pas attention à tout. Il y avait le panneau quand j'étais à la sortie de pesée. En fait, quand tu tournais à droite, il y avait un panneau. C'est que t'as pas dû faire gaffe, comme t'étais dans ton truc embourbé là. T'as tourné et t'as tracé. T'es derrière? Ouais. Ça suit, ça suit. Ça suisse. Ça petit suisse. J'essaye de te laisser un peu d'avant, donc je mets pas le régulateur pour l'instant. Parce que je sais que tu vas pas annoncer que tu vas freiner ou un truc comme ça. Si, si, je te l'ai dit tout à l'heure quand je tournais à gauche et tout ça. Donc, et tourner à gauche. Ah, on va tourner. Non, parce que tu me disais je vais pas au même endroit. C'était pas pour la même raison. Je tourne à gauche. Ah bah moi je vais à droite. À gauche. Mais non. C'est pas possible. J'ai freiné. Tenez la gauche. Ah bah oui, j'ai oublié de regarder. On ne sort pas. Non, ça. Ah merde. Oui, voilà. Bah faut mets-toi sur ta voie de gauche. Bah oui, tant qu'à faire. Bah c'est une double voie, non? Non.
Oui, mais faut te mettre la voie sur plus à gauche. Ouais, c'est pas une double voie, non. Non, non, mais je pensais qu'au loin c'était une double voie. Pas du tout. C'était une feinte. Je déteste les routes comme ça. Le tracé au sol qui te feinte. Ah là là, oui. Parce que t'as l'impression qu'il y a une double voie, en fait, là pas là. Du tout. C'est qu'il y a un morceau de fait. Ouais, va pas trop vite quand ça tourne comme ça. Non, il s'emballe. Ah bah oui, c'est une descente. Ah, 75. Bah là oui, on récupère la voie express. Ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Merde, c'est pas ça. Je voulais faire ça. Parce que les phares me saoulent. Ouais, fais gaffe, on va bientôt les allumer. Sortez à droite. Sérieux? Bah il est 16h. C'est vers 17-18h, je crois qu'il faut les mettre à 17h. Bah je les rallume. Sortez à droite. Je suis sorti à droite. Ouais, moi aussi, t'inquiète pas, on va au même endroit. Ouais, ouais, non, mais je te dis les choses, je te dis les choses. Ah oui, après, tu vas dire, ouais, mais tu m'as pas signalé, je t'ai rentré dans le cul. Ça, c'est une autre histoire. Non, mais voilà, tu vois, c'est là qu'il faut me prévenir que tu vas freiner parce que ça tourne sec. C'est ce genre de. C'est ces virages-là qui. Oui, mais j'étais pas censé savoir que j'allais me prendre la rambarde. Je l'ai pas pris, mais c'est pas passé loin. Excuse-moi, t'as vu à la vitesse où t'es arrivé? Mais d'habitude ça passe. Tu sais, quand t'as l'habitude de ton camion, après tu sais. Non, mais là t'arrivais trop vite, monsieur. Même moi je l'ai vu au loin. Pourquoi je t'ai dit que c'est ces virages-là qu'il fallait annoncer? Après, quand tu prends une sortie à partir du moment à même endroit, c'est ça, c'est pas grave. Moi aussi je vois que j'ai la sortie. Oui, mais je le dis aussi. La dernière fois j'ai pris une sortie, on allait au même endroit, tu m'as dit ouais, mais tu m'as pas dit que tu freinais. Donc forcément. Oui, c'est le freinage, parce que tu m'as pas dit. Parce que des fois, la sortie, elle est plus raide que d'autres. C'est une sortie standard comme là où tu tournes légèrement. Généralement, de toute façon, une sortie, pour moi, tu ralentis. 65. Tu roules pas à la vitesse max au niveau d'une sortie. C'est trop dangereux. Au minimum, t'enlèves 5-10 miles pour moi. Parce que ça te permet après, quand t'as le tournant un peu sec comme ça, tu te retrouves pas à essayer de le passer à 30. Non, t'es à 20. T'es un peu plus régulier. T'arrives pas comme un sauvage, tu vois. Comme moi la dernière fois, rappelle-toi. Eh oui. J'ai arrivé comme un barbare en descente. Il y a beaucoup de neige quand même, je trouve, dans le jeu pour la période. Bah, c'est parce que c'est le serveur qui a mis le ouais, qui a mis ça. Mais je pensais qu'ils allaient quoi que non, on est encore peut-être, je sais pas, peut-être en mode saison, j'en sais rien comment ils gèrent. Je sais pas. Alors là je me pose la question. Mais normalement on est bientôt Bah ouais. Préparez-vous à tourner à droite. Oula, c'est vrai que ça fait 45 que tourne à droite. Que j'ai pas utilisé des essuie-glaces, tu vois. Oh là, en freinant quoi? Je freine, je tourne. J'avais mal calculé. T'as tapé? Non. Tu t'es retourné, j'en suis sûr. Ouais, j'ai perdu la remorque. Non. Non, c'est bon. Non, j'ai été un peu trop raide. Je sais pas, j'ai pas tourné assez le volant. Par contre, ouais, mais tu vois, c'est ça le souci du serveur. Ouais, quoique. Ouais. Pourquoi je te vois plus devant sur le GPS alors que je te voyais à 2 secondes? Je suis loin en fait, c'est peut-être pour ça. J'ai ralenti un peu. Dès que tu me vois sur le GPS, tu me le dis, ou de visu. Il faudrait mieux que je te vois sur le GPS avant de te voir de visu, parce que sinon... Oh, c'est une double voie, si tu sens que tu vas taper, tu te déportes. Oui. Allez, pousse le camion. Allez, gros cul! Je te vois toujours pas sur le GPS. Je suis à 60 pour l'instant, 61 de moyenne. Ouais, la même. C'est peut-être pour ça. Ah, voilà, 66.
suis bloqué à 65, hein. De toute façon, généralement c'est le max. Bah la même. Je sais pas, essayer de ralentir un tout petit peu peut-être. Ok. Te mettre à 55, 60. Je me suis mis à 55. Ouais. Ah ça y est, je commence à voir ton point. Alors attends encore un peu, je te rattrape un peu. Parce que je te rattrape pas beaucoup là si t'es à 55. Je suis plutôt au niveau de l'hôtel. Là, de l'air de repos. Ouais, je suis là. Mais je te vois pas encore de visu. Moi j'arrive à l'air de repos là. Ah, je te vois en visu, c'est bon, tu peux reprendre ta vitesse. Je vais te mettre en vitesse de croisière. C'est bon, je monte. On est presque arrivé, hein. Il reste 60 miles. Ça fait une centaine de kilomètres. Donc tu m'as dit il faut qu'on trouve Flamington, c'est ça le nom? Farmington. Et donc il y a une route secrète. Bah ouais. Comment ça se passe? Tu la connais? Ouais. Je te suis à l'aveugle et tu sais où tu vas. C'est ça. Les deux. Je suis pas le GPS, c'est ça l'idée. Les deux. Je sais pas. Mais d'après le GPS, ils disent que c'est un truc secret. Enfin, ils disent que c'est le titre du succès, c'est la forêt secrète ou je sais pas trop quoi. Ou le raccourci de la forêt. Mais c'est la route principale. Donc. D'accord. Ouais, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de routes pour y aller. Il y en a eu j'ai deux, pas compris. C'est pour ça que je comprenais pas trop comment ça peut être secret. Ah, j'ai vu aussi un truc qu'il faudra qu'on fasse quand t'auras le. Ah non, je crois que c'est Washington. C'est Washington. Quand t'auras Washington, faudra faire un truc. Vas-y, pourquoi ma caméra se baisse à chaque fois? J'ai toujours pas racheté de manette. Hein. Ah bon? Ah, j'arrive pas à en trouver. Ah bah, je t'ai dit, t'as vu, c'est la misère. Même dans les magasins. J'ai fait Carrefour, j'ai fait Leclerc. Il y avait rien. Rupture, même Micromania, rupture. Non, mais même bah, 360, de toute façon, j'ai l'impression qu'ils font plus, c'est mort. C'est... Ah, j'aurais peut-être dû sortir pour aller jeter de l'essence. Ouais, c'est pas grave, prendre de l'essence plus tard. Ouais, il reste 20 miles, autant le prendre après la livraison, je pense. Ouais. Bah, je pense, après, c'est mon avis. Ouais, on fera ça. Moi, j'ai quasiment le plein, donc c'est pas trop. Ah, grave, attends. Mais... Ah, oui, je me disais aussi, il y avait un souci dans le pâté. Qui a... Non, une couille dans le pâté. Bah j'étais en plein phare depuis tout à l'heure, je me disais merde les phares ils sont trop puissants, ils me font chier. Et en fait je viens de me rendre compte que j'étais en plein phare. Alors je vais sortir à droite. Moi aussi. Sortez à droite. La même. Voilà, GPS vient de m'annoncer. Ouais, de toute façon il reste 12 miles. Ok, je ralentis. Parce qu'on est, il faut le prendre à 45. Enfin, la route est limitée à 45. Bah ouais, vu comment ça tourne, c'est... Ah, on arrive à Raton. Ah, j'aime bien, c'est tout neuf la route ici. Ça vient d'être refait. Ouais, j'ai l'impression que c'est... Ouais, mais c'est un petit bout. Un petit bout propre, là, c'est bien. Ouais, ça change un peu quand il y a ça. Alors, Raton. Ah bah on va là-bas au fond. Yeah. Par contre, tenez la droite. Il me semble qu'il y a de l'essence ici, pas trop loin. Je l'avais été. Je tourne à droite. Je ralentis. Oh, t'inquiète pas, je suis assez loin. Ah, de toute façon, c'est au feu donc. Tournez à droite. Ouais, ouais. Non, mais je suis loin, de toute façon. Je tourne à droite. Je suis au feu et je tourne à droite. Préparez-vous à tourner à gauche. Et je me prépare à tourner à gauche. En fait, je répète ce que dit la dame sur le GPS. Tournez à droite. Il répète le GPS. Tournez à gauche et tournez à droite. Tournez à droite. Tournez à droite. Madame, le feu est rouge. Nous y sommes, sains et saufs. Au cours, nous y sommes sains et saufs, j'ai bien conduit. Pourquoi il y a un feu pour tourner à gauche alors qu'on n'a pas le droit d'aller à gauche? Tac.
Tac. Je suis à la gare. C'est la gare le truc? Enfin, moi. Bah, je te signale qu'on vive le même truc. Ah bah ouais. On a fait la même mission. Je te vois en train de livrer. Je suis à l'extérieur de l'enclos, je te vois. Bah ça va, ils sont pas trop putes. La dernière fois, ils m'ont dit de me garer, mais ils m'ont mis un coin pourri. Genre, vous pouvez garer, mais c'est tout au fond. Il faut que tu prends des virages, des machins, des trucs. Ah ouais, moi j'ai été dans un truc, c'était un terrain de cross, le bordel. Bah, je crois que c'était ici en plus. Il me semble que c'était un raton. Ouais, non, c'est trop loin, j'ai la flemme. Ah, moi j'ai la flemme de ces trucs. Ouais, non, mais je vous jure, c'est vrai. C'est vrai, j'aime pas ça. Bon, voilà, ça fait 12 000 dollars en plus, ça me fait quoi, 40 000 dollars? C'est pas mal. C'est ouais, pas mal. Ok. Voilà. Maintenant. Donc là, on se retrouve pour la forêt interdite, donc. Ouais, mine de rien, j'ai l'impression qu'à force de jouer, j'ai pris un peu de skill en garage. En stationnement, monsieur. Faut que j'éteins mon camion et je livre. Alors, continuer. Tac. Parfait, tout ça, c'est parfait. Tac. Et il faut que je trouve... Alors, raton. Il faut que je trouve... Faut qu'on trouve une station essence. Farmington. Ah, mais t'es déjà dans le choix du truc. Ah non. Oui, non, c'est un fake, ça. Je me rappelle. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Pas? Au pire, comme je t'ai dit, sinon on essaie de se rapprocher. Hein. Vers Gallup et tout, il y a souvent des petites conneries. Ouais, mais il faut prendre la route spécifique, en fait. C'est ça qui est chiant. Ah, je sais. Bah si on gruge le GPS, non. On peut pas. Faut forcément partir de Raton. Ouais. Si on allait tranquillement chercher de l'essence, ça ferait peut-être perdre un peu de temps et on voit après s'il y a des nouvelles missions, peut-être, je sais pas. Ouais. Ouais. Alors, l'essence, elle est où? Alors, attends. Moi, j'ai vu à droite, il y a un truc pour réparer. Je vais juste aller le faire réparer dans le doute. Parce que comme je nique souvent un petit peu les pneus et tout, ça coûte rien de donner 1000 balles et que c'est juste à côté. Je trouve que ça coûte rien. C'est juste là et l'essence ça doit, je pense qu'il faut refaire tout le tour de toute façon. Ouais, elle est à la sortie de la ville, l'essence. Je sais pas si je suis attends, je vais regarder vite fait. Bon, moi je dois avoir des petites réparations de rien du tout, donc autant le faire. Ouais, tu vois, 2%, 1%, 1%, voilà, il y en a pour 1000 balles, mais au moins c'est fait. 7%, 13%. Ah ouais, 13%. Ah bah oui, fais-le. 13% la cargaison. Je vais le faire. Alors attends, carte. Elle est en bas, en sortie de la ville. Je la vois pas du tout. Je vois que des trucs pour charger. Ah oui, non mais c'est même plus la sortie de la ville. Si, si. C'est en dehors de la ville. Ok. Attention, j'arrive. On se rejoint à la station service alors? Ah.
Réparation. J'ai écrasé un piéton. Hop, réparer. Bien. J'ai pas fait gaffe. Le mec il crache la thune comme ça sans savoir ce qu'il paye. Bah je suis chef d'entreprise. Bah, les Ouais, couilles. justement. Sérieux, le mec. Là, je trouve ça un peu con de quitter la ville pour. De toute façon, on va être obligé de passer devant donc. Autant prendre une mission tout de suite. Bah ouais, mais tu m'as dit qu'il n'y en avait pas pour l'instant. Moi, c'est pour toi que je dis ça. Et tu m'as dit que Ouais. t'avais plus de coco. Enfin, si je suis. Si, moi, reste un peu, je suis pas là, je suis pas en réserve, quoi. Moi, j'étais bien, quoi. Je sais pas, il y en a pourquoi. C'est vrai qu'il y a 20 miles, quoi. Bon, après, 20 miles, c'est rien. Hein. Tu les fais en 5 minutes, hein. Ça nous permet de nous poser là-bas à la station de service et de regarder s'il n'y a pas des nouvelles missions. On se regarde, on y est déjà quasiment. On va prendre la voie rapide et on est lancé après. Moi, je suis bloqué à 45, moi, genre mon camion n'avance plus. Est-ce que c'est le jeu qui te bloque ces 45 en ville? Donc ils te J'étais mettent. à 46 tout à l'heure. Bah je sais pas. J'ai déjà pris une amende pour excès de vitesse en ville. Quand là? Non, non, pas forcément là, mais. Ah oui. En arrière quand j'avais joué. Ah putain. Je fais pas gaffe en fait, je roule et je regarde vite fait en fait la route et je regarde plus mon GPS et. Bah faisais gaffe. Et la vue elle se baisse, tu sais, je vois que mon volant en vrai. Oh là là. C'est ma manette, c'est ma manette. Mais je roule à 80, mec. Bah oui, t'es à vide. Attends, faut que je pousse. 88 miles. Non, mais ça fait un moment que j'essaye de viser les 88 miles. Oh, on est déjà arrivé. J'avais laissé mon clignot tellement je suis tracé. Non, mais moi ça me fait découvrir une petite station. Attention, je fais une petite marche arrière. Ouais, j'ai vu ça. Ah, j'ai vu que t'arrivais. Je sais pas, j'ai voulu passer comme si j'avais une remorque alors que j'en ai pas. Ah ouais, je suis jamais venu ici. Merde, putain. Faut regarder pas le GPS comme ça, toi. Dans le début du jeu, je me souviens, je jouais en solo et j'ai pris une, comment on appelle ça? Je me suis arrêté en plein milieu, là, tu sais, une sortie comme ça. Mais Ouais. au niveau de la pente, il y avait une voiture ou deux devant moi. Impossible de redémarrer. Cargaison trop lourde, le Oh camion il l'horreur. tractait pas assez au Ah, niveau je du sais pas, mine de moteur. rien, je me suis remis Impossible 186 litres. de sortir. Ah ouais, 525 punaise. litres. Ouais, toi t'en avais besoin, ouais. T'as mis 3-4 fois plus ce que j'ai mis. Ah, attends, j'essaie. Mais pourquoi ils me disent? Mais pourquoi ils veulent que j'arrête le moteur? Je suis plus à la station essence là. Non, c'est parce que là c'est pour dormir. T'es sur Ah parking oui, de dormage. d'accord. Attends, ouais, mais le problème c'est que je vois pas mon GPS, merci. Eh ben, on n'a pas besoin du GPS. Puisque là, il faut regarder s'il n'y a pas une Ouais, mission mais qui a pop. non, mais je voulais me mettre vers la sortie, prêt à partir, tu Ah. vois. Et en même Alors. temps, je voulais pas déranger. Voilà, tu vois, genre là, près de la station service qui marche pas. Pas ok. Alors, marché du travail. Contrat de travail. Qu'est-ce qu'on a? Tu m'as dit Farmington. Ouais. Quoi? Gallup. Farmington, j'en ai une moi. Ah bon? Fraiseuse routière. Ah putain, t'as une Farmington toi. Ouais. Ah, c'est parce que t'as une fraiseuse. Quoi le rapport? J'ai une fraiseuse. À transporter. Moi je peux pas, j'ai pas un plateau. J'ai Ah, bah une attends, je regarde s'il remorque. n'y en a pas un autre au cas où.
Flagstaff, Flask Repressed, fini. Si, je peux le faire, mais il faudra que j'abandonne ma... J'ai sable. J'ai Farmington, j'ai du sable. Un peu moins chiant, je trouve. Ouais, mais le sable, c'est dans un silo, je crois. Bah, ça ressemble pas à un silo. Hein. Non? Attends. C'est une genre de remorque. C'est une petite remorque, t'as vu, comme les remorques de voiture? Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Ouais. C'est un peu cet esprit-là. Attends, je regarde si on n'a pas un autre. Hein. Calep, gna gna. Non, c'est le seul. Au pire, t'abandonnes ta remorque. Au pire, j'abandonne ma remorque. Mais je préfère le sable que la fraiseuse, parce que la fraiseuse. Je regarde vite fait. Et non, mais il n'y a rien d'autre sinon. Farmington. Personne qui. Non, non. C'est en quel contrat? Contrat extérieur? Contre. Ouais. Ouais, parce que la marchandise est exceptionnelle. Ouais, je trouve que le prix il est pas super rentable quoi. Quoi que si, Farmington. ouais, 21 000, Ah si, ouais, c'est c'est. pas. Non, mais c'est ça, c'est une benne en fait, le sable. Là, c'est une benne. 11 900 pour le sable et la fraiseuse, c'est combien? 21 000. Je prends 21 000, moi. Mais c'est truc exceptionnel. Bats les couilles, au moins Là, ça. parce que je... Non, mais c'est pas ça, c'est que je sais pas où tu vas nous faire passer, donc... Eh ben, ça sera marrant. Oh là là, d'accord. Bon, je prends aussi alors. Ah bah non. Attends, elle est où la Quoi fraiseuse? non? Je l'ai pas. Deuxième page. Le contrat extérieur? Page 2. Non, on branle le sable. C'est l'avant-dernière. Entre les Bulldozer. deux, entre le bulldozer et les décapeuses. C'est un truc rouge. Tu l'as pas après le bulldozer? Non. Ah bah tu l'as pas. Bon bah on est obligé de prendre le sable, monsieur. Moi j'ai le bulldozer et un bulldozer. Non mais cherche pas, on doit prendre le sable. C'est le destin, il a dit on doit prendre Oh le sable. putain, du sable quoi. Il a écouté mes revendications. Ah ouais, mais ah oui, et donc je vous fais je, on passera par l'autre côté, d'accord. Bon, on prend le sable alors ou pas? T'as pris le Ouais. bulldozer, tu es mort. J'ai pris le Et sable. c'est par où que nous on doit passer? Parce que je vois qu'il y a une route là. Ouais, non mais je vais te reprendre un chemin, t'inquiète pas. Ah si, il y a une petite route Prêt à cachée rouler. qu'on voit pas peut-être. De toute façon, je te suis. C'est ça Merde. l'idée. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre le sable de toute façon que le. Toi, tu voulais prendre la fraiseuse que t'as pas. J'ai la mission, mais toi, tu l'as pas. Oh putain! Mais je pense que ça aurait été galère. Tu sais pas trop où tu vas. Allez, c'est parti, on Ouais, va mais j'ai charger. des. C'était. Oublie pas d'allumer tes lumières. Ils sont déjà allumés. C'était comment Ok. on appelle ça? T'es pas en plein phare là? Parce que là, il est 6 h. Non? Si, je me suis mis en plein phare, ça y est, il va être 6 h 30 sur leur serveur. Putain, je suis déçu. J'ai Quoi? plus ma remorque. Allez tout droit, Attends, c'est puis pas à tournez droite à ici. droite. Non. Si, c'est à droite là, C'est non? là. Non, c'est Non, à mais il y en droite a deux. après. C'est la deuxième. Bon, on est à vide, Tournez à alors on va se droite. calmer un peu. Oh! Il a touché et j'ai plié net. Hein. J'ai vu ça dans le rétro. C'est bien. Je suis mon junkie. Non mais faut pas faire du fou, on est à vide. Putain, C'est pas truc la comment ça s'appelle. fraiseuse quoi, putain, j'aurais trop voulu la prendre. Eh ben tu l'auras pas. Ah, bon voyage, Ouais, Terry. Roger. Roger toi-même, je le connais pas moi. Qu'est-ce que t'en sais qu'il s'appelle Roger? Ça a été écrit James. Mais non, c'est ce que les gens ils disent au truc. Quand tu dis un truc, Ok, oh bon bah Roger. Alors. on va sortir à droite. Go. Tenez la droite, puis sortez à droite. Ou je risque de freiner un peu plus loin. Moi j'ai une technique, dès qu'elle me dit serrez à droite Sortez à et droite. sortez à droite, je sais pas trop quoi là. Et ben je mets mon clignotant en ce moment. Moi aussi. Les gars, c'est un peu sec. Hein. Comme tout à l'heure. Comme les gâteaux de mamie. Ouais, c'est 45 derrière.
Oh putain, le mec s'arrête quoi. Mais j'étais plus vite. Ils ont dit 45. Le mec il pile. On sort où? Attends, je regarde. Ah ouais, d'accord. C'est bon, on peut repartir. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. J'ai pas pilé, j'étais au-dessus de la vitesse recommandée. J'étais à 55. Y'a pas de feu. Tournez à gauche. Oh là là, ah c'est pas possible. Oh non, t'as raison. Non mais t'as raison. Une fraiseuse pour toi, déjà vide, c'est chaud. Alors une fraiseuse, t'aurais galéré. T'aurais pas fini. T'aurais pas fini le truc. Non, t'aurais pas fini le truc. T'aurais abandonné la cargaison. T'aurais dit de la merde, je me casse. Non, c'est parce que quand j'ai pas de remorque. Alors il faut savoir que quand j'ai pas de remorque, j'arrive pas à conduire parce que c'est trop léger. Non. Déjà oui. Non mais je coupe pas les routes en fait. Je prends pas la voie opposée. J'essaie vraiment de respecter comme si j'ai déjà vu une bagnole, tu vois. Ah oui mais non, t'as un camion. T'as un camion, faut que tu... quand tu roules avec ton camion, faut que tu te dis que t'as une remorque tout le temps. Et bah c'est ça en fait. Attends, il faut que tu achètes une remorque. Attends, je roule trop vite là, c'est 40 ici. On s'en fout, la dernière fois j'ai dans une zone comme ça, il me disait roule à 15, j'étais à 55. J'ai dit les mecs 15, tu finis jamais ta course. Oh, c'est le terrain de cross. Mais non, c'est pas un terrain de cross. Enfin, ouais, vous y voilà. Alors attends, ouais, bah c'est où maintenant madame? Elle est où la remorque? Allez. Oh, si, c'est le terrain de cross. Oh là là, c'est abusé ce terrain, je suis déjà venu. C'est un chantier le truc. Ah bah j'ai pris le mauvais côté je crois. T'es sûr? Ah bah carrément. Ça, quoi que ça revient au même en fait. Peut-être un peu plus de terrain. Bah moi je passe sur les passerelles alors. Je pense que ça revient au même hein. Attends, on peut y aller là ou pas? Oh là là, ça a tout. C'est là ouais. Vas-y, je te laisse prendre d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te mets à l'envers? Bah oui, c'est là. Bah, je sais pas, moi c'est carrément derrière, toi tu vois, c'est des graviers pour moi où t'es. Eh non, moi ma remorque elle est là. Ouais, c'est chaud. Alors attends, elle est où ma remorque? Oh, que dalle. Eh oui, j'avais raison, c'est une benne, c'est un silo coupé en deux. Soyez prudent. Ouais, c'est ça. Donc je pouvais pas mettre tout le sable dans mon... Eh, y'a le contre-maître qui me regarde. Ah ouais, toi, elle est là, ta remorque. Ah ouais, moi, ils m'ont mis dans un endroit de pute. Non, mais ils m'ont dit, non, lui, on l'aime pas. Je t'ai dit, tout pour me faire chier, ce jeu. Ouais, bah, on y va, et attends. Oh, je vais devoir faire tout le tour pour sortir, moi. C'est dégueulasse. Mark Butters il va être pile bien en face. C'est honteux. Non, tu peux passer par là. Ah bah ouais, j'ai pas le choix de toute façon. C'est le seul moyen qui m'est proposé parce que ma chariote elle est pile sur le truc à droite. Alors attends. Je me pose là 30 secondes. Ouais, trouve-nous la bonne route. Au pire, tu te mets plusieurs points, tu sais, tu le fais en plusieurs fois. Oh. Ouais, c'est ce que je vais faire. Si tu... Ce sera plus simple, si vraiment ça passe. Alors, nous avions dit qu'on partait à Farmington. Ah bah voilà, bah c'est ça, en fait. On va pas se faire chier. Je Et donc, attends, je fais ça vite fait. Je retrouve vite fait mon lien que j'ai mis de côté. Charge. Ok, c'est bon. Donc ouais, on fait le chemin de la forêt interdite qu'on a parlé la dernière fois. Putain, mais le mec, il se met à chaque fois dans le désert de sable. Vous pouvez pas te mettre là sur le côté. Bah, je me suis mis sur le côté. Non, toi, tu t'es mis carrément sur le côté. Il y a côté et côté. Alors attends, c'est où? Limite, il veut escalader la colline, lui. Verde, c'est pas ça. C'est pas... c'est ça, raccourci de la forêt.
1, 2. Pourquoi ils disent 1, 2? Ah d'accord, ça doit être ici au milieu. Donc, on fait ça. Mais ton cul, Jackie. Ouais, c'est bon. Je suis sûr qu'il va me faire le fion dans une forêt ou je sais pas ça quoi. Doit c'est être... ce qu'il cherche à faire. Ou il va ramasser une petite meuf là. Ça doit être ici. Ça doit être ici. Tu dois récupérer ta femme. Celle qui s'était barrée au Canada. Ça doit être une connerie comme ça. Ça doit être ça. Allez. Tac. Il est temps de prendre la route. Allez, on est parti. Tu me suis? Bah oui, je te suis. Tu m'as entendu faire pouette-pouette? Bah oui. Bah ça, c'est cool. Pardon. J'ai fait pouette-pouette aussi, pour répondre. Ah bah j'ai pas entendu ton pouette-pouette. Si tu l'as entendu. Toi, non. Tu l'as pas entendu? Bah je m'en fous. Bah moi, ce sera sur ma vie, en rond. Voilà. Moi, j'ai mis des... Bon, en fait, c'est parce que sur mon camion, j'ai mis des trompettes. Toi, t'es peut-être en klaxon de base. Aussi. Oui, mais c'est un autre bouton pour klaxon. Il y a le bouton du klaxon et le bouton des cornes. Et j'ai mis le bouton du klaxon sur les cornes. Ça change rien. Ça fait du bruit, ça doit faire du bruit. On s'en fout de ça. Non, j'aime quand ça fait du bruit. Bah moi aussi. C'est pour ça que j'utilise les cornes au lieu d'utiliser du klaxon claqué. Alors, je ralentis et je tourne à droite. Tu vois, c'est le klaxon comme ça, j'ai l'impression de conduire une voiture sans permis. Je l'ai pris large, mais je m'en bats les couilles. Je m'en fiche. La droite. Mec, il devient vulgaire. Moi, je l'ai pris très large aussi. Ouais, par contre, va pas trop vite parce que je sais pas où tu vas. Hein. Ouais, non, mais je suis là. Pour l'instant, je vois ton point, mais fais gaffe. Je mets quand même un petit peu de klaxon. De klaxon. On sait jamais. Mais normalement, il y avait personne derrière nous. Oh, Zimbabwe. Ça va, ça suit. Tu me vois toujours? Ouais, pour l'instant, ça va. J'étais de visu. Surtout sur le GPS, on sait jamais. Tenez la droite, puis sortez à droite. On n'est pas sur un bateau. Et normalement, alors on tourne à droite. Sortez ouais, à droite. Ça, j'ai pas. Attends, bah... Ah là, la petite route à droite là. Ah, donc c'est ce que j'ai vu sur la map. Ok. Ouais, en vrai, on aurait sûrement pu aller. Bah attends, c'est pas ici qu'on a pris l'essence, nous? Non, c'est à Ratan. Si, peut-être. Alors on est peut-être à la sortie de Ratan. Je sais pas, je dis tout. Là, bah c'est bon, on a de nouveaux calculs maintenant, alors si on est passé par là. Le GPS, il peut nous indiquer que la meilleure route. Ah, ça fait très forêt, ouais. Je suis sûr et... Attendez les gars. Voilà, je fais une divination. Je veux dire s'il va me dire... Ah pardon, Jackie va me dire... attends, il faut que je me mette sur le côté, il faut que j'aille pisser mon code. Exact. Il y a quelqu'un qui monte en douce dans son camion. Et non. On n'entendra plus. Non, c'est faux. On entendra des petits bruits. Si je te dis... Oh là là, faut ralentir. Bah oui, c'est 55, monsieur. Non, encore. Ça passe à 55. Non, ici. Non. Comment ça, non? Ah oui, 45. Ah oui, parce que là on arrive sur du... Ah ouais, c'est la montagne. Là on arrive sur du coton. Ah ouais, c'est de la montagne. Ah ouais, c'est coton. Ça me rappelle de par chez moi, ça. Il y a des routes comme ça. À coton, en voiture, ça passe, mais avec le camtar, c'est un peu plus chaud. Ah ouais, ça, d'accord. Ah mais il est cool, le coin. J'hume le côté. Ouh, un peu Oregon, tu vois, quand je vois ce côté. Ah d'accord, 35 maintenant. Fais gaffe. Ah bah oui. C'est écrit slow down.
Normalement, tu sais que quand t'as un virage, t'as pas de vision, tu dois. Encore plus avec un camion, t'es censé klaxonner. C'est vrai. Mais comme je vois que sur mon GPS, y a pas de point bleu. Bah oui, je sais que c'est pour ça que je le fais pas. Bah, je m'en serais douté. Ah, c'est bon, c'est 55 à nouveau. J'avais pas fait gaffe. Il faudrait passer. Personnellement, attends, personnellement, je suis resté à 35. Non mais sans déconner, tu voulais passer ici avec la je sais plus comment ça s'appelle, la fraiseuse. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, tu joues petit joueur, je t'ai déjà rattrapé alors que je te voyais plus normalement. Oui, je t'ai dit que je roulais à 35. Ah bon, c'est les routes de montagne, c'est bon, maîtrise. Oh, attends, tous les 5 minutes, il dit 55, 35, 5, là on est à 40 maintenant. Donc vas-y, c'est bon. Je vais rouler, j'en connais un qui va se prendre un arbre ou qui va rester coincé, et surtout qu'il y a des fossés sur le côté, donc mais non, c'est bon. Si on continue, il y en a un, il va pas finir. Bien sûr que si, je suis large. De toute façon, je suis obligé d'éviter, je vais pas doubler quand même ici. Ah non, non, je te parle des fossés sur le côté. Exactement, mais moi je te dis, je vais pas doubler ici, donc de toute façon, je suis obligé d'aller à la même vitesse que toi. Là, je suis à 30-37 de moyenne. Je suis obligé de ralentir, regardez-moi, petite pisseuse là. C'est pas moi, c'est le GPS, il dit c'est 40. Et ouais, les panneaux, 40, ils ont dit c'est 40, et ils ont dit attention, chute de pierre. C'est pas 40. Bon, le... Y a pas de pierre, y a pas de falaise, comment tu veux qu'il y ait une pierre qui te tombe dessus? Bien sûr, là, ici, sur le côté, c'est que de la falaise. Oui, là où t'arrives, là, oui. Mais là où on était, y avait pas de falaise. C'était un pont. Ta pierre qui tombe là, ça tombe de 3 mètres de haut. Excusez-moi, tu vois des cailloux sur la route? Non. Voilà, non. Voilà, monsieur, non. Ouais, bah ouais, j'ai. Là, tu vas avoir un beau virage là qui t'arrive. J'ai pas envie de casser mon. Tu la vois la petite épingle? Tu devrais la passer à 50, moi je dis cette épingle. Ouais. Ah ouais, avec le bon soleil comme ça en fond. Dans le coucher de soleil. Derrière les montagnes. Ça, je suis obligé de ralentir à cause de l'autre pisseuse. Mais non, c'est pas moi, c'est mon camion, il monte pas, il y a de la montée. Bah ça j'ai vu. Ouais. Justement, moi il monte plus maintenant. Et tu voulais venir avec la fraiseuse? Non, on aurait galéré là. Non, là ce passage là avec la fraiseuse, on aurait galéré. Hein. Comment je vois comment on galère avec le sable, je suis à 10 là. J'ai perdu en vitesse. Sérieux? T'étais... Je jure que c'est vrai. T'arrives même là, pas à tracter du sable? Non mais attends, là... Ah bah pourtant j'ai des trucs qu'on voit exceptionnels. Non mais j'avance plus. 3. Non mais là c'est le camion. Non mais c'est bon, ça y est. Je sais pas si il considérait... Ah, ça redescend juste après. Non mais là c'est le jeu qui m'a trollé là. Il considérait que j'avais pas appuyé parce que regarde là je repars genre nickel. Alors, ah oui. Ça ralentissait. Ah ouais, wow. C'est normal que j'arrive à monter. C'est joli, il y a un lac et tout, c'est beau. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Bouffer ton lac, moi. Par contre, je vois plus ni GPS ni plus rien avec cette connerie du jeu qui voulait plus que j'avance. Ah, c'est parce que je me suis retourné un peu plus loin, mais c'est bon. Ah, il y a une station de service. Moi, je roule à 48, tranquille. Ça va, je te dérange pas? Je vais pouvoir m'arrêter 30 secondes. Mais je te respecte, je suis à 50. C'est faut que j'aille pisser. Allez tout droit. Alors en plus, quand on va dans un motel pour se poser, il y a un feu. C'est bizarre quand même. Je t'attends. Non. Si, je t'attends au feu. Genre, il y a un vieux feu pourri ici. Merde, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis alt... Pourquoi je suis alt-tab? J'ai envie de me faire une petite pause essence, moi, histoire de prendre le chemin. C'est bon. Comme ça. T'attends où, toi? T'es au feu ou? Je suis au feu, moi. Je t'attends. T'es où? Bah, je suis là, j'arrive. Regarde, j'arrive tranquille. Je roule trop vite. Même ici, je roule trop vite, qu'ils me disent. Bah oui, c'est une pente. Je te vois. Ah, si, c'est bon. Ah, le feu est passé ouvert. J'avance. Bah, moi, j'ai envie de prendre à droite, là, au feu. Mais non, tu prendras plus tard. Mais il y a la station. Mais elle est là, la station, elle est pas de l'autre côté. Ah bah elle est tout droit. Refeu rouge. Ah voilà, j'ai pris 700$ d'amende. Pourquoi? Alors que je suis passé. Parce que je suis passé au vert, mais le feu il est passé au rouge. Ouais bah voilà. Quoi voilà?
Tu ne respectes pas les couleurs. Et si pour la station essence, normalement il fallait tourner à droite, faire le tour et après mais tu. Mais on est plein. Non, mais je sais, mais c'était pour prendre le bout de route. Mais c'est pas grave, tu reviendras de ces jours. Ouais, ben, bien sûr. Je reviendrai de ces jours. Bien les réponses à Jackie, plus ça. Ah, tu veux être content hein. 55. 65. Ah non, 55. T'as pas resté longtemps. En camion, t'as pas le temps de remonter ton 65. Ah bah non. T'as déjà pas monté le 55. Attention, je vais freiner. Ah, tu devrais venir. Pourquoi vous freinez? Parce que j'ai vu... Y a rien. Un bout de route sur le côté. Je suis à la rue, je suis en recherche alors. Ah, il cherche de quoi? Ça prévient. Plusieurs virages en serpentin. Mais tu roules à 25. Eh ben oui. Laisse-moi accélérer. Fais ça presser là. Non mais attends. Bah pas presser, mais la route c'est 55, tu roules à 25. J'hallucine quoi. Freiner dessus. Je vais te freiner dessus. Je vois deux panneaux, ça y est, il panique. Je freine pas sur n'importe qui, attention. Donc on peut noter que Jackie réagit aux jaunes. Les panneaux blancs, il les voit jamais, mais les panneaux jaunes, par contre, qu'est-ce qu'il les voit? C'est parce que mes phares, ils brillent dessus et ça m'interpelle. Surtout que tu vas tellement pas vite que t'as le temps de les voir les panneaux aujourd'hui. Mais t'as pas bu, c'est ça? Tu t'es dit ouais ici je prends pas le risque. C'est ça. De finir dans un ravin. Ah, moi j'ai pris mes distances avec le Jackie là. C'est bon, c'est sucré. Regarde, c'est 65 la route. Tang. Mais non, pas Monsieur Tang. Comme la boisson. Ah oui. Le Tang. Fait par les labos pharmaceutiques. Monsieur, comment il fait de la pub? Il fait un live Rousseau, il nous a pas. OPSP, il nous a pas prévenu. Non mais on dirait hein. Parce que putain, le Tang, je me souviens du goût. 60, c'est un peu rag, c'est un peu ric-rac peut-être. Bah ouais, surtout que c'est 55 donc. Ouais, c'est bon, 55, 60, qu'est-ce que ça change? Sans déconner. Quelle est la différence? Il y a une petite montée derrière en plus, tu vois. Ça ralentit tout seul. Je suis à 50 maintenant avec la montée. Ah ouais, quand même, il y a un sacré bout de route, on n'est pas près d'arriver. J'avais ah bah gaffe, oui, ça. On a pris la route la plus longue et la plus sinueuse. Ah, tu m'as pris de la montagne, ouais, ce que je vois. Ouais. C'est de la montagne, ça te fait des gros détours. Ouais. 62, c'est bon pas 60 miles. Ça passe ou pas ici? J'ai rien. Il y a possibilité de retourner. Ah ouais, ça touche. T'es bloqué. Faut que j'attende. Le camion. Maintenant. J'ai tapoté. Attends, d'accord. Bah je fais des tests, tu vois, j'essaie d'apprendre. Ah putain, c'était ça. C'est pas grave, j'ai réparé avant de partir. C'était ça quoi? C'était pas ça le chemin. Qu'est-ce qu'il m'a fait faire? Comment ça c'était pas ça le chemin? Non, attends, c'est une question, je me pose. T'es surtout à l'arrêt d'après ce que je vois. Ouais, prévenir. C'est vrai. Ah putain, je crois que j'ai loupé le. Oh, tant pis. T'as raté quoi? C'est sur la. Il y avait pas de route. Je crois qu'on a loupé le chemin, mais c'est pas grave. Mais il y avait pas d'itinéraire, j'ai regardé le GPS. Ah non, mais il y a pas d'itinéraire, il faut trouver. Oh là tu vois, regarde sur la gauche, il y a la sortie. Bon, c'est pas grave. Eh ben, on le prend à l'envers. Bah non. On peut pas remonter avec le camion.
Ton camion il montera pas. Bien monter d'un côté, dans un sens où mais j'ai pas vu l'entrée de la, du truc. Et puis en plus sur mon le site que je regarde là, c'est mal informé donc bah, c'est pas grave. Ah, t'as de la chance que j'aime bien le coin et que ça me change les chemins sinueux. C'était pour un trophée, on le refera un de ces jours. Ouais. Je t'aurais pété ta gueule sinon. Ouais, comme ça j'appellerais ça la forêt interdite 2. Bah oui. Casse-croûte comme ça sans prévenir. Heureusement que j'ai vu sur le GPS. Ah, il était arrêté sur le côté. Ouais, mais heureusement que je ziote parce que moi je trace, je me casse. Pourtant, je roulais, je regardais à gauche tout le temps. Je dis, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas de route et tout. Mais c'est où le truc? Et quand on est descendu, je dis, bah ce serait ça. C'est bizarre. Et puis d'un coup, je vois ça, je dis, non, c'est pas possible. C'est bon là, on est dans le désert là. J'ai loupé. Putain, je suis dégoûté, je prépare ça pendant... Enfin... Je me dis... Ouais, il va nous faire croire que ça fait un mois qu'il nous prépare ça. Bah, depuis la dernière session, si, j'ai vu les trophées, j'ai dit, ah bah... Faudra le faire celui-là, et puis... Et puis, bah, j'ai loupé. T'as loupé le coche. Je suis déçu. Bah, c'est pas grave, on aura l'occasion de revenir. J'ai rendu ma cargaison en plus pour ça. Enfin, ma remorque pour ça. grave déçu. Ouais, il m'a fait rouler à 20 miles à l'heure. Comme ça. Mais bon, c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Il n'y a pas de prochaine fois. Maintenant qu'on a tous les deux qu'on a notre société de transport à Roswell. Oui, on pourra se TP de toute façon maintenant. On va jusqu'à Raton et après on se fait le... On fera un essai. Attention, c'est serré. C'est 55, mais ouais, c'est serré. Dans le volant qui tourne après, alors là tu fais ta gueule quand même. Ah, mais des fois j'ai l'impression que le clavier il est pas d'accord. Il dit non, mais moi t'as pas appuyé. Christian ? Ah, grave. Là il a pas du tout christiané là. Alors il a freiné, le freinage il me l'a accordé, mais il m'a tué le volant. Non. Je lui dis, je sais pas. Je suis pas en mode frein, donc c'est pas genre le volant qui s'est bloqué à cause du freinage, c'est faux. Que je tourne après avoir relâché mes freins. Je freine avant, ça va tourner sec à droite par contre. D'après ouais, on va reprendre la route normale. Ouais. Préparez-vous à tourner à droite. Je crois que c'est la route qu'on devait prendre en plus. Pas sûr. Je pense. Tournez à droite. Peut-être me calmer un peu là, je suis à 70. Ça fait du bien de retrouver de la vraie route. Ouais, j'ai envie d'appeler ça de la vraie route, ouais. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Mais on était sur de la vraie route. Non, on était sur de la montagne. Tournez à gauche. Ah, mais c'est encore 45 ici. Ouais, mais non, tu peux rester à 55, je suis resté à 55. Je suis à plus de 60. Ah ouais, là ça va tourner ric-rac ou pas là où tu vas? Pas ric-rac, enfin un petit peu quoi. Faut freiner quoi.
Ouais, y'a un. Par Ricrac. Est-ce que c'est Ricrac chez toi alors? Il y a un joli ranch sur la gauche. Il faudra que tu m'expliques qu'est-ce que c'est Ricrac. Hein. Parce que si ça c'était pas du Ricrac, je comprends pas. Ah, regarde sur ta droite! Il y a des vaches. Ça. Ah ouais, là. T'aurais dû dire, il va y avoir des vaches. Il y a Butters qui est en train de brouter. Ah! Mais hey Jackie, il y a Butters sur le côté, regarde, il broute. Ça monte. Mon camion n'avance plus. Ouais, c'est ce que je vois, je bloque à 43. 42. 40, 39, non! Bah ah, c'est pas grave. Les gens qui regardent. Qui regarderont le live ou la VOD, ils verront. S'ils veulent faire ce trophée, bah, ils feront plus attention. Ils verront comment pas l'avoir. C'est ça l'idée. Bah, ils verront ce qu'il faut pas faire. Bah oui, c'est ça, exactement. Ce qu'il faut pas voir. Ah oui. Puis un micro lag. Si à un moment donné, alors à un moment donné, j'ai vu une sorte de. Je sais pas. Ça aurait pu être l'entrée, mais je la trouvais trop étroite en fait. Mais je crois que c'était ça. Ah, c'est possible, ouais. Peut-être qu'il faut la prendre tranquillement. Hein. Ah, ah oui, non, mais c'est carrément ça. Hein. C'est du tranquille. Pas de pressé, c'est un tout petit chemin. En plus, le chemin il est interdit aux camions. Ah ouais, d'accord. Mais toi, tu voulais y aller avec un convoi exceptionnel. Ma gueule. Tu fous vraiment ma gueule en vrai. Tu voulais qu'on se galère. Je voulais que tu te galères. Mais oui, effectivement. Non, t'étais parti pour qu'on réussisse pas, tu le franco. Ouais, c'est voilà. Ça. Carrément, je voulais que ce soit l'épisode de la galère, le truc de ouf, machin, le truc de oh putain, on n'y arrive pas, on est coincé. Je voulais à runner, hein, si je voulais faire ça. C'est vrai. Je l'installe, on n'en parle plus. Si on va par là, faudrait que j'essaye aussi un de ces jours en runner, tiens. Pour voir si c'est rigolo. Après, d'après ce que j'ai vu, c'est assez limité. Enfin, c'est très répétitif. Bah, c'est genre. C'est genre les convois de l'extrême. Ouais, mais c'est plus limité. Ici, t'as quand même beaucoup. T'as des régions. Ah oui, complètement. C'est quand même beaucoup plus large en termes de route. Eux, c'est des maps prédéfinies. Je crois que dans le jeu de base, il y en a 6, il me semble. Avec. Putain, je roule trop vite là. 72, c'est un peu trop. Je vais me faire butter s'il va pas aimer ça. Si je rentre dessus à 70, il va pas apprécier. Non, effectivement. C'est surtout sa livraison qui va pas apprécier. Bon, c'est du sable, hein. Tu roules à combien là? 55. Ah ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Ah, mais d'accord. Merde, j'ai failli toucher à un mauvais bout de sens. J'ai failli toucher au différentiel. Tu sais, tu rentres dans ma cargaison, il y a que la remorque qui sera abîmée. Hein. Ah bah ça te fait une sacrée pénalité quand t'arrives aussi. C'est vrai. Ah les mecs ils vont pas nous chier une pendule, du sable c'est du sable. Ouais mais c'est tout, c'est comme ça monsieur. Fais pas des conneries, c'est tout. Mais oh, plus ça ose se plaindre. Ah oui, mais c'est pas, c'est normal que je l'ai pas vu le truc. Pourquoi? Bah, il faut être en plein jour. Non, c'est pas ça. C'est toi qui, t'as pas le DLC truc exceptionnel ou un truc comme ça? J'arrête, feu rouge. Ouais, je l'avais vu, mais c'est bien de l'avoir dit. non, c'est bien. Franchement, c'est nickel. Oui, parce que la dernière fois, j'étais un feu rouge, je te l'ai pas dit. C'est le meilleur épisode ever. Le oh my god.
Ah bah c'est normal, attends, tu me rentres dedans, c'est moi qui prends tout. Je prends tout dans le petit et puis... Non mais attends. Et c'est quoi le truc que tu me parlais avec le DLC Heavy? Bah c'est toi qui l'as. Ouais, je l'ai. Ah bah c'est pour ça que moi j'ai pas vu ton... La fraiseuse. La fraiseuse. Bah si, tu vois... Ouais mais tu voyais le bulldozer. Oui, mais parce que bulldozer c'est pas un truc exceptionnel. Si, il me semble. Bah, c'est non, c'est juste un bulldozer sur un plateau, c'est tout. C'est de ouais, base. Quand j'ai regardé, il y a... non non, il y avait le truc. Il y avait le truc. Ah oui. Lourd, il me semble, des... en icône sur la mission. Ouais ouais, complètement. Des fois, ils te mettent des trucs exceptionnels, mais c'est pas des trucs gros comme une fraiseuse ou comme un truc comme ça. Qui est comme les trucs dans ton DLC, c'est des gros gros trucs. Excuse-moi, la différence entre une fraiseuse et le bulldozer, ça prend la même chose, c'était quasiment au même poids, il me semble. Ah bah après, c'est le jeu qui décide que voilà. Excuse-moi, 40 tonnes et 40 tonnes, 39 tonnes, la différence, il n'y en a pas. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est le jeu. C'est le jeu qui décide. Eh, on est presque arrivé. Freinage, feu rouge. Au moins toi t'as pu t'arrêter tranquille. Moi j'ai dû piler net. Toi tu regardes pas. Moi j'ai même pas freiné en vrai. Ah d'accord. Je suis descendu à 2 miles. J'ai jamais freiné. Putain, par contre le feu il dure pas longtemps. T'as à peine le temps, toi t'as juste le temps de passer, et moi c'est, j'ai pas encore passé la charrette que je suis pas au feu. C'est un petit peu abusé, je trouve. Ah! On a découvert un nouveau concessionnaire, Volvo. Ouais, mais t'aimes pas Volvo de toute façon. Je conduis pas du Volvo, mais c'est pas pour ça que j'aime pas. J'en ai acheté un. Je croyais que tu m'avais dit que t'en voulais pas. Et c'est pas moi qui le conduis, pas mal les couilles. Ah le salaud. Ah la politique, genre pour le pour moi c'est pas bien, c'est pas assez bien, mais pour lui Bah oui, il débute et je peux lui filer de merde. Non mais même pas, j'ai même pas pris un Volvo, qu'est-ce que je raconte? Je crois que j'ai pris un Cascada ou un Cascadia, un truc comme ça. Enfin je sais plus c'est quoi la marque. Il y a la pompe à essence juste à côté de là où on livre. Ça vaut le coup de faire un plein pour être tranquille après. D'abord on livre et on verra après. Bah oui. Mais je suis déjà encore plein. On s'en fout, ça... non mais moi aussi. Mais il y a 100, 150 litres, on les a. C'est histoire d'être tranquille. T'as pas y pensé si on veut prendre une route un peu plus longue. Oh là là, je t'ai vu taper le morceau. J'ai pas tapé. Ah, je te jure, c'est vrai, sur mon truc, moi, ta remorque, elle a tapé. Oh bon, j'ai pas senti. J'ai dû effleurer ou. Par contre, c'est dégueulasse parce que le feu était vert, mais le temps que je tourne, comme après je vois plus la caméra, le truc il est passé au rouge. Ça, c'est dégueulasse. Terminé. Tu vois que t'as pas le temps. Bah, tourne alors... à droite, moi je veux bien. Il y a un gros cul avec sa remorque là. Moi qui dis quand c'est terminé. Oh mais oh, faire chier. Voilà, on n'a pas eu notre raccourci, on n'a rien eu, c'est de la faute. Si, j'étais comme, on a quand même putain, une, on a quand même une belle route. J'ai dépensé 1 400 $ en tout. Ça te rappelait chez toi ou je sais pas trop quoi. Ouais, les routes sinueuses de montagne, ouais, ça me parle. Je te remercie. Attends, comment on sort d'ici là?
Merde, quel con. Pas besoin d'éteindre mon camion. Non, moi je vais vite faire la station essence. Ouais, non, mais les gars, vous aurez pu mettre la remorque ailleurs. Hein. Franchement, bon, donc. Qu'est-ce que je fais? Fragile ou exceptionnel? Enfin, fragile ou grande valeur? J'en sais rien, moi. Ah, tu dois mettre un point. Ouais. Je sais pas, je te dis, moi j'en ai deux, je les ai pas encore mis. J'ai pas pris le temps de Alors. me poser. 25% de récompense. 5% d'augmentation pour une livraison de grande valeur. Et fragile. 25%, 5%, c'est exactement pareil. Je vais Ah bah partir, différent, ça doit être. je vais partir sur de la grande valeur. De toute façon, c'est que des primes de 5% après. Tu vois, Butters s'il dit ça sert à rien de faire le plein. 175 litres, moi je dis ça se prend. Alors, Alors, c'est quoi notre dernière mission du jour, bah mon je pote? sais pas, c'est ce coup-ci tu peux la choisir. Marché du travail. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, il y a du choix. Ah, mais il y a des trucs que j'ai pas, moi. Ah, que on n'a pas forcément en commun. C'est où Santa Maria? Santa Maria? Ouais. C'est en Non, Californie ça, 910, non? 918 miles, ça fait peut-être un peu charrette. Je sais pas, j'aime bien aussi, moi, regarder ce que je transporte aussi. J'aime bien choisir par rapport à ça, des fois de l'emballage. Oh, de la palette vide, j'aime bien la remorque noire. À Flagstaff, c'est pas loin Flagstaff. Ça fait quoi? Ouais, 277 miles. Ah, il y a une petite citerne là. Qu'est-ce que c'est, du ciment? À Gallup? Non, c'est à côté Gallup. Gallup, c'est peut-être un peu ric-rac Gallup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu vois là, j'ai un bulldozer, mais bulldozer en version standard, moi. Là, j'ai vraiment le bulldozer qui est pas en mode poids lourd. La Où je même. te disais tout à J'ai un l'heure. bulldozer qui va jusqu'à Albuquerque. Remorque articulée. Tu vois, par Marchandises de contre, j'ai le grande valeur. bulldozer. Parce que c'est J'ai un. le. Ouais. Et j'ai un autre bulldozer juste en dessous, mais pas avec une remorque articulée. Qui va à Holbrook. Tucson, Tucson, c'est où ça, Tucson? Ah, tu cliques Ouais, dessus et tu vois la route. Tucson, c'est pas mal, 434 miles. Ça fait une petite traîne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Socorro, c'est où Socorro? Oh non, on retourne de l'autre côté. Non, non. Changer un peu de décor, aller vers l'Arizona plutôt, je pense, non? T'en Comme penses? tu. Je te dis, c'est toi qui vois. Bah, je Putain, suis en ouais, train de regarder, hein. on Je a suis Utah, tanné. Colorado qu'on n'a Santa pas. Maria, ça fait un peu trop. On a l'Idaho, il y a le Raton, on Wyoming en qui va vient. arriver. Et le Texas, ça va être grand. Parce que je crois que le Ah Texas, c'est bah pas le plus carrément, t'as grand vu la taille de la des. map? Bah c'est un des plus grands, ouais. C'est pas le plus grand des États? Si je dis pas de conneries. Je sais pas si c'est le plus grand, je pourrais pas te confirmer, mais un beau bébé. Non, le plus grand des États, c'est l'Alaska, mais je parle dans les États-Unis. Enfin, dans l'Amérique du Nord. Ah, parce que l'Alaska, c'est pas en Amérique du Nord, monsieur. Mais on va pas conduire. Ils vont pas mettre l'Alaska, on va pas conduire en Alaska. Donc t'as trouvé? Parce que sinon on Bah va attends, je. te. Ah, si. Ouais, j'en ai un. Bah Flagstaff, non? C'est au milieu de l'Arizona. Flagstaff. Bah comme ça, la prochaine fois, on retourne vers le Nevada ou la Californie, histoire de voir un peu, changer un peu de décor. On vient de. Attends, j'ai un Flagstaff 7000. Ouais, c'est ça, je crois. Que je regarde vite fait. Tac, un Flagstaff.
Taf, il n'y a pas. Donc, je prends l'autre à 7000. Il est 15h30, c'est de la palette vide. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, bah, soit c'est trop J'ai près. pris. Ok, bah je prends. Bah j'essaie de me baser aussi sur le temps qui nous reste, quoi. Parce que le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a commencé un tout petit peu plus tard, de quelques minutes. Allons-y. Voilà. Et puis ça fait. C'est histoire de changer un peu de d'état. Ah oui, non mais je suis Et complètement puis d'accord comme avec ça, toi. si. Regarde, là, comment dire. Si la prochaine fois j'ai l'Oregon, tu Tournez vois, à comme ça on gauche. s'en rapproche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On passe par la Californie. C'est peut-être mieux de faire comme ça. Mais arrête de me dire de tourner à gauche, c'est un feu rouge. Il y a Butters à droite. Mec, clignote. Ah, Allez, ça faisait tout droit. longtemps. Bah, toi aussi, Le tu camion clignotes. Butters. Le camion Butters, il clignote. Monsieur Butters, c'est écrit. Ouais, je te vois clignoter. Ah, je t'ai entendu klaxonner. Ah, je t'ai entendu klaxonner un petit peu. Tenez la Ok, gauche, deuxième puis gauche. tournez à gauche. J'aime pas conduire dans le noir. En vrai, je remarque que Tournez à quand je suis en gauche. ville, je déteste tout autant ça que quand je suis dans la vraie vie. Moi, j'aurais voulu un peu de Préparez-vous à pluie. tourner à droite. Bah, il y a un feu rouge, madame. Tournez à droite. Ok, il est plus rouge. C'est perturbant de te voir clignoter parce que je sais pas si je me rapproche de toi ou pas. C'est perturbant, ouais, t'as vu Tenez ce que la je disais? gauche. Alors attends, elle est où l'entrée? Là. C'est là? Elle est où la remorque? La remorque, elle est au fond. Ça Vous y est, êtes arrivé à tu ne destination. Votre clignotes guidage routier plus. est maintenant Ouais, dès que terminé. t'es ici, après tu clignotes plus. Ah ok, la remorque, elle est là. Ah ok, ma remorque est là. Il m'a fait peur, lui. Impeccable, ça. Tu la sens, ma grosse intelligence. Le truc ici, il panique. Tout ça parce qu'il y a Butters. C'est parti. Ah bah ouais, passez-moi dessus. Je l'ai Je fait dirais exprès totalement. Ah voilà! J'ai l'impression d'avoir mon camion. Ah, sauf qu'il a une bâche dégueulasse! C'est bon? Bah oui, il est temps d'aller travailler sur la commode. Oh! Calme-toi, camion. Chuter derrière toi. J'y suis. Tournez à droite. Allez tout droit. Oui, j'ai pris extrêmement large. Et alors? Je Moi j'ai fait préfère. ça. Et là je passe à l'orange, j'ai pas pris l'amende. Tu vois le jus sous notre gueule des fois. Et moi j'ai arrêté au feu rouge. Ah je vois ça. Non mais je signale. Ah mais c'est bien, non, Pour c'est très bien. éviter de me faire tamponner le petit. Bah, c'est surtout qu'au bout d'un moment, je vois plus si le feu il est rouge ou pas. Par contre, quand je freine, j'aimerais bien qu'il freine, quoi. Au lieu de. J'étais à 1 mile, le truc qui passait à 2 miles. Mais des feintes.
Ouais, mais c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Je vois que derrière, ça me fait des appels de phare. C'est pas ça. C'est passé à peine vert que c'est bon. On n'est pas à Paris. Bah, t'as de la chance. J'aurais pu faire ça. J'entends pas. J'ai freiné au feu rouge. Ouais. Je vous doute que t'as freiné au feu rouge. Non mais je dis ça pour ceux qui me suivent. Ah, le mec il a plus jamais confiance. Ah jamais, j'aurais plus jamais confiance. Plus jamais. Il m'a tamponné le sillon. C'est fini. Non mais là c'est. J'ai réglé mon souci de rétroviseur. C'est quoi ton souci de rétro? Bah je voyais pas. Enfin, les gens qui étaient derrière moi qui allaient me doubler, je les voyais pas net. Pareil quand je doublais et le décor s'en allait vite en fait, tu sais, il disparaissait. Ah et, oui, t'avais un clipping. Ouais, grave même. Et t'as un clipping inversé en fait. Et j'ai regardé et j'avais pas mis beaucoup de résolution ni rien, j'ai mis tout à fond. Ah bah oui. J'ai dit je peux me permettre, j'ai mis max max truc. Carrément. Maintenant je vois super loin, je vois super net. Ah oui, tu peux te permettre, le jeu il est pas bon. Oula. Feu rouge. C'est cool, ça nous fait conduire en ville avec des feux rouges aujourd'hui. Quand j'étais jeune, combien de fois je l'ai fait ça, ma mère. On est au feu rouge. Je suis à côté d'elle et elle regarde pas forcément, je lui dis vert, puis elle avance. Ah, le salaud. Ah là là, combien de fois on a fait des accidents de voiture? Combien de fois? Non, je lui disais qu'il était vert quand il était vert, mais quand elle passait, je lui disais oh, non, en fait, c'était rouge. Elle dit t'es sérieux? Je dis bah oui, j'ai dit ça pour rigoler et t'as même pas regardé le feu, t'as accéléré. Ah, je m'en fous, si je me prends un procès, c'est toi qui le paye. Voilà. Ah ben je dis non, c'est pas moi qui conduis, hein, c'est à toi de faire attention. Vous voyez comment il traumatise ses proches? Mais c'est pas de la traumatisation, rigoler. Rigoler, ouais. Ah tiens, j'ai pensé à toi, c'est quand? La semaine dernière, je crois. Je me suis fait le surbook. Ah! J'y pense parce que je sais que je vous oublie après. Bah sur Book, il traîne sur YouTube. Enfin, je sais pas s'ils l'ont enlevé, mais la dernière fois que je l'ai vu, moi c'était sur YouTube. Ah bah je saurais pas te dire. J'ai tapé spectacle sur YouTube. Il y en avait plein et à un moment donné j'ai vu le surbook, j'ai dit allez hop c'est parti. Ah bah oui, un bon petit spectacle à l'ancienne là. Ah ouais, du bon théâtre de Bouvard. Là, je me suis refait épouer aussi son dernier spectacle. Je l'avais vu seul alors je l'ai regardé aussi avec ma chérie. Salut. Ah salut, bah bonjour. On me souhaite le bonjour du Québec. Bienvenue Québécois. Comment ça va? Ah bon. Oui mais Butter, je suis sûr, il a fait exprès de mettre. Pourquoi il avance plus? À vous. Ah, merci pour le follow. Il met des feintes. Merci monsieur de suivre la chaîne de Butter, c'est très gentil. Nous ça va tranquille, on roule, tout se passe bien. Ça roule tranquillou, ouais. Et on a un bon jour de Paris aussi. Ah bah, bienvenue parisien. C'est Jacqueline. Camion de Michel.
Il fait quelle heure au Québec? Nous il est 3h30, nous il est 3h36 de l'après-midi. 10h38 du matin? Ouais. Ça va. Ça va, ça va. Moi il est 23h32, t'es sûr qu'on a la même horloge? Non mais je te parle d'en vrai. Il fait nuit noire, attends, je vois pas à 3 mètres, on y voit comme à travers une pelle. Fous-moi ou quoi? Bah mais t'es plein phare! T'abuses! Je suis en plein phare! Bah j'y vois quand même comme à travers une pelle. 15h! Moi c'est 15h36 qu'il est. Enfin, 15h37. Ah mais il dit de la merde, il est 15h38. Non c'est parce qu'il... Notre ami du Québec m'a marqué qu'il était 16h chez nous, 16h38. Mais non, il est 15h38 chez nous. Enfin chez moi en tout cas. Moi je suis dans le nord de la France. Bon, on est sur la même diagonale. Je sais pas, on sait pas. Donc, toi je suis sûr que tu dois avoir une heure d'avance. Bah, en Californie là non. Avance peut-être pas, mais 9 heures de retard, oui. À Nice, je suis sûr qu'il y a une heure en plus. Mais c'est toi l'heure en plus, c'est le décalage horaire entre tes fesses, ouais. Franchement, il fout ma gueule, lui. C'est l'heure de Paris, voilà. Jacques, quand il a bu un petit Bordeaux, il croit qu'il est à l'heure de Bordeaux, il comprend pas tout, mais ça, c'est différent. Ça m'étonne pas de lui. Ça va, j'ai laissé suffisamment de distance, je vois tes feux au loin. Ah bah c'est cool. Enfin, c'est pas pour ça que tu me rentreras pas dans le cul, hein. Ça c'est bien connu. Ça c'est une autre histoire. C'est pas parce que tu vois mon camion en loin que tu le vois freiner. Ça c'est pas faux, c'est pas faux. Ah là là, t'es une de ces rares personnes que je connais dans ma vie qui, en ville, bah il fait pas attention qu'il y a un feu rouge quoi. Ah t'as freiné, j'ai pas fait gaffe, bah oui, feu rouge. Arrête un peu, c'est la meilleure scène de toute la série. Depuis le début où on joue au jeu, c'est le meilleur moment. Je me suis fait des replays, mais à me faire ah bah pleurer. Oui, oui. De temps en temps, je me mets un coup moi. Effectivement. Ah. Là, quand je déprime, voilà, je me dis tiens, je vais regarder un petit coup de la vidéo. Va ralentir, on arrive à Gallup. Allez tout droit. Il arrive à Gallup. Gallup, hein. Fais gaffe, il y a un feu rouge. Oui, et je m'arrête au feu rouge. Et je répète, oui, je m'arrête au feu rouge. Ah bah moi, je prends de la vitesse pour te rentrer dedans. Je veux voir si ta remorque peut voler comme ton camion la dernière fois. Ah non, non, c'est bon. Après ils vont m'envoyer je ne sais où. Bah attends, faut que la machine reparte. Hein. Avance ton gros cul. Prendre une amende à cause de lui. Allez, tout droit. Ta chance. Juste. Je freine au feu rouge. Ouais. Ce serait cool. Non, c'est la prochaine qu'on tourne à droite. Ce serait cool qu'ils mettent le Canada en extension. Ouais, ça ce serait bien. Je sais que sur le pro mode à IE, on pourrait se faire du Holiday on Ice. Un de ces jours, on peut faire ça aussi, mais je sais pas si le pro mode on peut le faire en. Ah si, je crois que le serveur il considère le pro mode. Mais bon, faut installer le pro mode, machin. Je sais pas si. C'est pas les vraies routes. Je préfère jouer sur du legit. Je suis pas pour toi. Oh là! Ouais, j'avoue aussi. Ouais, fais gaffe, faut tourner à droite. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est un feu rouge. Ah oui! Non, parce que je le voyais pas. Déjà, t'as même pas mis clignotant. Si, ah si, ici ça clignote. Si. Mais je tiens le frein, donc le clignotant est rouge sur les camions. Et le feu... Chez moi, il n'y a rien qui clignote chez toi. Et là? Ah si, là oui. Ouais, mais si je relâche, je recule. Comment ça se fait? Bah parce que je suis en pente. Bah mais le frein à main. Ah, tu sais pas c'est quoi le bouton? Si, espace frein parking.
censé savoir que tu vas à droite, moi. Bah j'ai mis mon clignotant. Et t'as, on suit le GPS, donc je ne sais pas. Oui, mais parce que là on suit, mais si je te suivais pas... Voilà, tu vois, si on était deux inconnus au bout du monde... si différent. C'est ça. Tu vois ? Ah mais voilà, ça change tout. Question de point de vue, monsieur. Ouais, Michel, il est de la culture, hein, il peut vous pousser la petite chantonnette si vous voulez. Tu connais les paroles ? Non. Ouais, voilà. Je le savais. Je connais deux mots. Ouais, voilà, dans la chanson. Ah bah, je vais pas te faire n'oublier pas les paroles. Je t'avoue, je commence déjà à avoir mal au crâne, malheureusement. Donc, bah, de toute façon, c'est notre dernière course. Ouais, non, mais c'est pas mal. On a bien fait, on a fait des petits trajets, mais on a fait des petits chemins un peu différents aujourd'hui. Ouais. Je te dis, peut-être que la semaine prochaine, on pourra viser d'aller vers l'Oregon. Puis un jour, on visera la Lune. Regarde. Ah non, après, faudra viser, je sais pas, qu'est-ce que j'avais dit qui m'intéressait, moi. Bah, on a Oregon. Utah, non. Il y a Oregon, Utah, Washington. Canada, bah, moi, j'ai Oregon, Washington. Et ce qui nous manque, toi t'as qui nous manque, enfin en parlant de toi, toi c'est Oregon, Washington, Utah, moi il manque Utah, Colorado. Ah non, Colorado qui avait l'air sympa, voilà c'est Colorado. Tenez la gauche. J'ai pas besoin de passer à la pesée. Et toi? Moi, ils m'ont rien dit. Ça va arriver. Ouais non, je suis trop près de la pesée. Ah, c'est rouge. Ah, ah merde! J'ai dépassé la pesée. Non, mais tout ça parce que j'ai dit je n'ai pas besoin. Je t'attends à la sortie. Par contre, ouais, quand il bouge le GPS pour savoir où c'est la pesée. C'est dégueulasse. J'ai peut-être pas le droit de me mettre là, mais tant pis. Je le fais quand même. Alors que mon camion il va très bien. Oula. Tout ça pour me dire tout va bien, 34 tonnes, excuse-moi, tu fous ma gueule le jeu. Ah, tu peux, mais tu vas vite nous dépasser. Sur le live, ils veulent nous, enfin sur le chat, ils veulent nous suivre avec Flight Simulator. Ah bah ouais, en avion. Je suis là. C'est bon ? Ouais, vas-y. Attends, je ralentis, vas-y, redémarre. J'enlève mes feux. Alors, en avion, tu vas nous voir, ça va être un point vite fait quoi. Ah non, il peut faire du razmot. Oui, non, mais il nous verra que quelques secondes. Donc, ça restera pas longtemps. Il te faut un hélico. Vu comment on se traîne. Mais il n'y a pas les hélicos sur. Sur Flight Simulator. Faudra regarder. Je ne sais plus quand est-ce que ça va arriver les prochaines soldes sur Steam. Bah maintenant, pas avant juin, non ? À juin, juillet. Bah ouais, il y a les soldes d'été normalement. Il n'y en a pas avant celles d'été. Entre. Non, entre je crois. Les soldes lunaires et été, il n'y en a pas, il me semble. Non, je crois que c'est soldes d'été, Halloween. Black Friday et solde d'hiver. Ah oui, ah bah oui, Black Friday, c'est vrai, maintenant c'est séparé. Allez, tout avant droit. C'était ensemble. Wow! Qu'est-ce que tu fais? Fais des écarts. Qu'est-ce que tu fais, Jackie? Si, la refonte graphique va arriver. Un jour. Ils ont dit que c'était prévu. Là, il va y avoir une la 1.40, la mise à jour 1.40 va sortir, je ne sais quand, mais très bientôt. Ils vont refaire tout ce qui est light et le ciel et le coucher de soleil et tout ça, le soleil et tout ce qui est nos lumières à nous. Et si, on a vu un bilan,
un bilan comme quoi ils, normalement une grosse partie, ils ont dit qu'ils veulent refaire une refonte graphique du jeu. Ouais, le jeu, au minimum le jeu de base, je pense. Parce que j'imagine que les derniers DLC ont été un plus haut niveau. Non, c'est pareil, c'est le même moteur. Bah oui. Quand ils vont faire une refonte graphique, ce sera tout. T'es pas obligé de toucher ton moteur, hein, parce que là, ce serait carrément refaire un jeu. Ah non, non, ils touchent pas le moteur, ils vont améliorer. Bah oui. Ils vont passer. Si, je pense que le moteur il passe au niveau au-dessus ou un truc comme ça, quoi. Non, c'est. Bah non, tu peux pas changer tout ton moteur. Ouais, y'a pas de. Pas de soucis. C'est les textures qui retouchent, le nombre de détails par exemple au sol, sur les routes. C'est plus de la retouche, quoi. C'est de la résolution, mais. Non, non, ils toucheront pas au moteur, sinon ils te sortiraient un ATS2. C'est plus rentable pour eux que. Non, ils ils peuvent pas sortir ATS2, ils ont même pas encore fini la map américaine. C'est pour ça. Leur but c'est de. Ils vont pas faire American Truck Simulator 2, leur but ce sera d'améliorer le moteur graphique. Bah oui, autant améliorer ton moteur actuel et les textures que tu utilises. Ah oui, c'est complètement. C'est ce qu'ils ont fait sur WoW, regarde, WoW ils ont pas retouché le moteur, mais ils ont retouché. Tu vois que d'une zone à une autre, par exemple, le jeu est de plus en plus beau. Si tu retournes sur les zones de départ, c'est super moche quand tu joues en mode à l'ancienne. Oui. Tu vois qu'ils ont fait. Un up de qualité. Ouais, ouais, non, mais c'est. Faire en ayant gardé le même truc d'origine, quoi. Ils ont pas retapé tout le moteur. Sauf que là, ils font quand ils font des nouvelles mises à jour, enfin, quand ils font des nouvelles maps, ils font avec le moteur actuel. Et après, ils vont faire un up du moteur pour tous les trucs. J'ai eu une micro-freeze. Ouais, moi aussi. Ah, ok. Oui, c'est juste ils vont mettre le moteur, ils vont l'adapter par rapport. Le jeu de base, en fait, vont adapter par rapport aux mises à jour plus récentes des DLC, je pense. Ah, mais quel con. Je suis à fond depuis tout à l'heure, je peux mettre mon régulateur de vitesse et je reste appuyé sur la gâchette. Bah, moi, en vrai, j'ai pas mis le régulateur. Ouais, mais moi, ça évite que ça évite. Non, mais comme la gâchette, elle est analogique, oui, ça évite de rester appuyé sur le ressort, quoi. Ça ouais, mais comme tu me fais des embardés. Non, c'est parce que je lis le chat en même temps. Ouais, bah j'ai vu ça. J'ai vu, monsieur, j'ai vu. Ah, vous avez donné un vrai danger public. Et peut-être, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être acheter dans le jeu un PC portable et je vais le mettre sur mon siège, tu sais, à droite. Pour faire genre. Tu t'avais pas acheté un truc pour mettre à droite, justement? Je sais plus. Tu m'as pas dit? Une femme Tu m'avais dit que t'avais acheté un truc, il me semble, la dernière fois. Bah là, c'est tout noir, je pourrais pas te dire. Ah, on peut. Ah, y a pas la petite lumière dans le camion. Non, y a pas la lumière intérieure. J'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai pas fait gaffe. Moi non plus, je te confirme. Bon, mine de rien, on est bientôt arrivé. Oh! Ça aura fait pile le temps que j'avais dit. Ouais, c'est un très bon choix en fait, Flagstaff. Mais sans s'arriver à quelle heure? Dans 27 minutes. Mais j'ai l'impression que cette nuit elle se finit jamais en vrai. Ah bah la nuit elle est longue, hein, sur le serveur. Ouais. Encore on a commencé, il faisait relativement jour. Hein. Ouais, je sais plus quelle heure était. Le dernier truc. Mais tu vois, c'est ça qu'ils vont changer après. C'est ça qu'ils vont changer dans le. Bah, j'espère que le serveur multi va. Il va en profiter aussi. Parce que. Ils ont annoncé un mode online en plus pour le jeu même. Oui, plus tard, ouais, c'est vrai. Ah, je tourne à droite. Sortez à droite. Mais non, mais pour la 1.40, pour faire la transition entre le jour et la nuit, parce que là, ça. Tournez à droite. Il n'y a pas vraiment une transition jour-nuit un peu homogène, quoi. Ouais, c'est vrai que des fois c'est un peu ton axe. Ah, le train ne passe pas, c'est cool. Enfin, un peu dommage, mais cool. Allez tout droit. Ouh là là, je freine au feu rouge. Je répète, je freine au feu rouge. C'est bon, je suis au virage précédent. Ouais, ils veulent aussi, ils veulent faire un multi officiel.
C'est prévu dans leur projet. Donc, la question qu'on se posait avec Michel, c'était est-ce que dans leur multi officiel, est-ce qu'ils vont nous rajouter le trafic, comme dans le solo? C'est ce qu'on se Alors, posait la sur la question. gestion du trafic, ou est-ce que ça va être un multi comme ici? J'aurai juste les chauffeurs. Préparez-vous à tourner à gauche. C'est vrai que c'est une très bonne question. Parce que mine de rien, Tournez ça à change gauche. tout, ta Ah! façon d'être attentif, ta façon de Je crois conduire. qu'on a découvert un concessionnaire encore, non? Sur la droite. Ouais, c'est un concessionnaire international. Préparez-vous à tourner à droite. Ah, je tourne à Walmart. Bah, on va là, de toute façon, on a le même Tournez à truc. droite. Le mec, il oublie tout le temps qu'on a la même livraison. C'est vrai. C'est ici que ça se termine. Tu peux pas, Jackie. Je suis que dalle. Ah merde. Au pôle de Cupré. Alors. Your cannot, the first stop your truck. D'accord. Hop. Ah ouais, il faut arrêter le camion avant. Par contre, ah non, c'est bon. Je me disais que j'allais toucher la barrière, mais non. Alors attends, qu'est-ce qu'on me dit sur le chat? Parce que là, vous ne croisez absolument personne. Ouais, mais c'est parce que bon, là, il y a pas beaucoup de monde. Mais quand tu Ça va regardes prendre des sur, horaires. tu regardes les lives de ETS2. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de camions et il y a beaucoup de monde qui font des convois, des trucs comme ça. Ah, j'aurais dû passer. Merde, j'aurais dû passer par la gauche. Bah, je dois faire un. Je dois Ah, parquer ma c'est long. cargaison et c'est un peu chiant, quoi. Ouais, ça dépend du choix que t'as Je fait. vais faire le tour. Il y a beaucoup de convois, beaucoup de circulation sur ETS2. Et là, on en a un peu moins sur ATS parce que Ça dépend des jours il y a un de l'année. peu, on va dire qu'il y a un peu moins de trajets que sur ETS. Donc, oh, j'aurais pu faire une marche arrière, quel con! Bon, on va vers la marche arrière. J'étais en train de penser à répondre au chat et en même temps, je réfléchis pas trop. Donc, ouh là là, Pas nouveau, c'est bon, je suis là, doucement. ça bouge pas. Donc il y a beaucoup plus de trafic sur les petites routes françaises, enfin européennes, je veux dire. Et quand tu sais que des fois t'as des mecs qui respectent rien du tout, je me dis qu'avec du trafic en plus, Ouais, c'est vrai que ça peut vite devenir barbare. ça peut vite. Bah, tu vas me dire en même temps, dans GTA il y a du trafic, mais bon, Ouais, mais c'est pas pareil, c'est GTA c'est prévu. l'arcade. Mais Eh j'étais merde! seul. Accident! Avec la facilité. J'ai pas fait gaffe, j'ai tapé ma remorque contre une remorque garée. Faut que je fais quelques manœuvres, mais normalement je vais m'en sortir. Ça va, j'approche les 60 000 dollars. Un tiers de ce qu'il me faut pour un petit camion. Tiens, mes chauffeurs s'en vont. Quel fou bâtiment. Il a gagné 29 000 dollars, c'est bien ça. Mais j'ai pas l'impression de gagner de la thune. Des fois, j'ai Voilà, on vraiment va se l'impression garer de comme ramener de ça. la thune. De toute façon, ce qui compte, c'est la remorque. Bon, elle est un peu de travers, mais c'est pas grave. Qui est de travers. Et si on croise de temps en temps des personnes, mais ouais, sur le serveur, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. On doit être 100. Tout à l'heure, quand je me suis connecté, on était C'est moi 120 ça. et les serveurs peuvent monter à 1000 ou 1500, je crois. Après, ça dépend l'heure. Là, il est 4 heures de l'après-midi. Il y a plus de Puis monde après, ça dépend il y a plus de sur monde quel le ticket t'en as soir. Et puis, tué. il y a plus de monde. Il y a plus d'Américains aussi.
Parce que là, c'est pas encore les heures américaines, je pense. Ah, si, quoique. Vu que Ça va démarrer. ça va démarrer, donc. Oui. Voilà, je me suis garé. Bah moi aussi, hein, c'est fait. Tac, j'enregistre. On va pouvoir Parce que se. Ouais. sinon je vais oublier. Tac. On sauvegarde. Voilà. Hop. Ah merde, j'ai pas mis mes aptitudes, ouais, tiens. Et Je vais hop. mettre, j'ai toujours 2 points. Je sais pas où je vais mettre. Oh, on va Je vais s'arrêter aller là. là. Bah après ce qu'il faut mettre dans ce qui rapporte, c'est-à-dire bah non, je crois que tu voulais mettre de dans les trucs J'ai déjà commencé à mettre. l'azote et tout ça, l'azote liquide, les combustions. Non, mais j'ai déjà commencé à mettre, T'es donc au vous combien? inquiétez pas. Bah là, je vais mettre le deuxième, je pense. Je suis au 2 Comme ça, la aussi, prochaine moi je fois que je transporte mets, de, je mettrai pas le deux. maximum que je peux transporter, c'est de la dynamite, je crois. Attends que je regarde. Non, c'est pas ça. Le 2, c'est les gaz. C'est les gaz. Je crois que c'est ça le 2. Parce que classe 1, c'est les matières explosives. Le 2, c'est les gaz. Ah Le oui, 3, c'est c'est les ça. matières Les inflammables. deux, c'est les gaz, ouais. J'ai déjà transporté dans ma cargaison de la dynamite, les feux d'explosifs et les munitions. Ouais, c'est dans le 1, j'ai transporté de la dynamite. Sur mon camion, ils te mettent un vieux triangle orange en disant attention, il y a potentiellement de la dynamite. Il y a du risque. Il y a du risque, mais bon. Ouais, prochain coup, je mettrai fragile. Et puis Ouais, moi aussi, je pense. Fragile, après, je peut-être mettrai niveau 3. le longue distance. Bah, longue distance, c'était à 4 comme moi, non, Je c'est suis à pas ça? 4. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je mettrais peut-être le truc dangereux. Ouais, Donc le fragile, 3 je suis avant à d'être longue 4 aussi en distance. fait. Je viens de passer 5 sur grande valeur. Et je suis à 5 Ouais, pareil. en économie de carburant et je suis à 2 en matériaux dangereux. Ah, liquide inflammable. Je mettrais peut-être liquide inflammable. Histoire 2. Bien que je Ouais, prends pas pourquoi pas. souvent des cargaisons comme ça, donc. Moi j'en ai pas eu souvent, mine de rien. J'ai pas des super offres à ce niveau-là. C'est dommage. Ouais. Après ça dépend où t'es, ça dépend de ce que t'as, ouais, selon le moment, c'est toujours pareil. Bon. Bon, ce qu'il dit, monsieur, c'était une belle Ouais. session, mine de rien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui ont suivi. Bah oui, merci à vous, merci à ceux qui sont passés sur Je le te live, remercie aussi on a pour discuté. le. Ouais, on a bien discuté, on a fait quelques petites routes, machin. Bon, j'ai loupé le chemin que je voulais prendre. Ah, attends. Il dit 1, 2. Ah non, il faut le prendre en montée. Ah, tu vois, qu'est-ce que j'avais dit? Donc c'est de Parce que... Farmington à Ratton. Pas de Ratton à Farmington. Ah bah D'accord. voilà, c'était dans le sens inverse, tu vois, donc c'est là où j'avais dit que tu m'as dit on peut pas monter. C'est peut-être là le passage. Attends. Juste avant de là où t'étais garé. Merde, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, comme ça, je pense. Qu'est-ce qu'il dit? Découvrez le raccourci à travers la forêt. La route qui relie Farmington à Ratton entre main. Ah d'accord. Ah, c'est dans l'autre C'était sens en fait. dans l'autre sens. Et donc merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. À ciao les amis.